Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça doit bien être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça encore. Eh ben. Bon, pas de doute, ce matin, je suis un épouvantail. Évidemment, c'est pas très élégant. Et en plus, on a classe verte pour étudier les oiseaux aujourd'hui. Pas l'idéal pour un épouvantail. Désolée pour la tenue, mais ce matin... Voyons, fiston, tu n'as pas à t'excuser. Tu fais un épouvantail très convenable. Je me demande ce que peut bien manger un épouvantail pour son petit déjeuner. T'en fais pas, maman. Mon chocolat habituel ira très bien. On apprend à l'instant l'évasion de Dédé Lapince, condamné pour de nombreux hold-up. Rappelons que l'énorme butin de son dernier braquage, le spectaculaire casse de la Banque Centrale, n'a jamais pu être retrouvé. Évidemment, toute la police est aux trousses du redoutable malfrat. Dis donc, Gégé, il donne pas des idées, ce fabuleux butin. C'est-à-dire que... Gégé, mais qu'est-ce qui m'a fichu un associé pareil? Bon, je t'explique, tu te souviens que Dédé Lapin, ça a été arrêté tout près d'ici. Ah ouais? C'est marrant, ça. Triple bus, y a un magot qui est là, tout près d'ici. Presque sous nos pieds. Tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est marrant. Où ça? Où ça? Il est où, le magot? Écoute, cette évasion, c'est peut-être la chance de notre vie. Elle est bien bonne, celle-là. Remarque, épouvantail, c'est toujours mieux que crapaud comme il y a deux jours. Moi j'y vais. Attends, allez quoi, te fâche pas. Je sais bien que ce n'est pas ta faute. Et puis, avoue que c'est marrant quand même. Épouvantail, c'est pas banal. Roxane, attention, Martin est à prendre avec des pincettes ce matin. Sa transformation ne lui plaît pas beaucoup. Ne t'en fais pas, Martin. Pour moi, même en épouvantail, tu seras toujours mon Martin. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée de vagabond? Ah, je vois, on voudrait jeter la honte sur l'école en profitant d'un jour de sortie. Mais non, monsieur, pas du tout, je vous jure. Mais on va bien voir, allez hop, tout le monde dans le car. Mais attention, à la moindre excentricité, je sévis. Allez, les enfants, allez. Oui, oui, merci, madame. Vos renseignements sont très précieux. Je m'en doutais, Dublaire. Une paysanne a aperçu un homme en vêtements de bannière près de l'endroit où on l'avait arrêté. Ah ben, c'est sûrement notre homme qui cherchait à récupérer son wagon. Évidemment. Faites-moi donc quadriller la région, et vite. Oui, chef. Voilà ce que vous allez faire, les enfants. Grâce au petit manuel qui vous a été distribué, chaque équipe va noter le plus d'espèces d'oiseaux possible. Allez, bonne chance! Pas d'excentricité, hein? Il est curieux, cet endroit. Allez, Martin, on est quand même mieux ici qu'en classe. Tu vas pas faire cette tête d'épouvantail toute la journée. Ah, ça, c'est malin. Regardez, c'est une mésange. Chut, elle s'est envolée. Mais évidemment, c'est de ma faute. Écoutez, si vous voulez approcher des piafs, vaudrait mieux qu'on se sépare. Mais Martin... Laisse tomber, Roxane, tu le feras pas changer d'avis. T'entends ça? C'est par là qu'est parti Martin, non? T'as raison, allons-y. Ah,
épouvantail qui fait peur aux oiseaux, mais pas aux chiens. Chouquette, ici! Gentille Chouquette. Dis donc, toi, le vagabond, c'est à mes pommes que tu en veux. Je te conseille de déguerpir en vitesse parce que je vais appeler la police, moi. Allez, oust! Oh, ce sont des enfants. Quand il y a une bêtise à faire, hein, ma brave Chouquette. Oh, quelle journée. Non seulement je fais peur aux oiseaux, je me fais courser par les chiens, mais en plus la police va me rechercher. Écoute, Martin, d'accord, c'est pas drôle d'être un épouvantail, mais tu noircis un peu le tableau, tu ne crois pas? Même si t'avais volé des pommes, la police s'en ficherait. Ouais, bah en tout cas, moi je bouge plus d'ici. Vous n'avez qu'à continuer à chercher des oiseaux, vous deux. Écoute, gros mot, vas-y tout seul. Moi, je reste avec Martin. Je crois qu'il a besoin de réconfort. Bon, ben, j'ai compris. À plus tard, les amoureux. Faut que je me cache. Il faut rester vigilant et groupé. Si les renseignements de la paysanne sont exacts, notre fugitif ne doit pas être loin. C'est un petit malin, mais il n'a aucune chance d'échapper au quadrillage des patrouilles. C'est bon, allons, par là. Mince alors, la police! Martin avait raison, il faut vite que je le prévienne! Martin, t'avais raison, il y a des patrouilles qui te recherchent, c'est du sérieux! Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Tout ça pour une histoire de pommes, ça paraît incroyable, gros mot! Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu? C'est ça, dis tout de suite que j'entends des voix, là-bas! Regardez! Vite, Martin, il faut pas rester ici! Et si je me rendais? Je ne voudrais pas qu'on vous arrête comme complice! Pas question. Allez, viens. Monsieur le conseiller, il y a un petit problème. Il manque 3 élèves. Il s'agit de... Ah, inutile de me citer les noms. Je savais bien que ce diable de Martin ferait encore des siennes. Mais je vais vous le ramener, moi. Écart à la sanction. Nom de nom. Où ont-ils pu passer? Où je n'y connais rien? Où c'est un flagrant délit d'école buissonnière? Cette fois, ton compte est bon, Martin. Dis donc, toi. Tu sais que tu tombes à pic? Qui êtes-vous? Le petit pousset. Je plaisante. T'as entendu parler de Dédé Lapince, je pense? Évidemment. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Je suis un peu fatigué de mon costume, tu vois. Alors on fait un petit échange. Tu préfères la manière forte? Non, c'est entendu, monsieur Dédé. J'ai tout ce que vous voudrez. Très chouette ton costume, mon gars. Bon, le mien est un peu moins classe, mais tu verras, on s'habitue. Allez, salut et merci, hein. Nous y voilà, si je me souviens bien. Ça doit être là. J'ai l'impression qu'on a semé la patrouille. Ouais, mais pour combien de temps? Là! Aïe, un hélicoptère maintenant! Comment ça, introuvable? Renforcez les patrouilles! Il ne doit pas nous échapper! La forêt, on y sera à couvert! Nous ont pas vus. Alors, on a des choses à se reprocher, on fuit la police. C'est un malentendu, j'ai rien fait du tout, je vous jure. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Écoutez, mon copain et moi, on connaît un endroit pas loin où personne ne va jamais. Vous pouvez y rester un moment en attendant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Venez, par là, c'est malsain pour vous. Ouais, suivez-nous. Ce déguisement. Bon, ici vous êtes complètement en sécurité. Plus besoin de cacher la vérité. Mais je vous l'ai dit, je suis injustement accusée. Ah ouais? Et de quoi au juste? D'avoir volé des pommes. Et c'est même pas vrai. Hein? Des pommes? T'entends ça, Gégé? Des pommes? Quelle imagination! Allez, assez joué comme ça. Maintenant, dis-nous, t'as planqué le magot. Le magot, hein, vous voulez peut-être parler de ma tirelire, mais vous savez... Un bon conseil, arrête de faire l'enfant avec moi. T'as peut-être l'envergure d'un malfrat, mais t'as pas la carrure, d'accord?
Je parle du magot de ton casse de la banque centrale, et tu le sais très bien. Alors dis-moi où tu l'as caché et il n'y aura pas de bobo. Sinon... Bon, écoutez, c'est d'accord. Vous êtes les plus forts. On va vous conduire à la cachette. Eh ben voilà, ça c'est raisonnable. Mais t'es cinglé, Martin. On ne sait même pas où il est, ce magot. D'accord. Mais eux non plus. Tout ça, c'est à cause de ce garnement de Martin. Où il va voir. On ne bouge plus. On te tient, mon gaillard. Dis donc, Lastico, c'est encore loin. Faudrait voir à pas nous mener en bateau. Non, non. Voilà, c'est là. Juste sous la mousse. Joe, mets un truc là-dessous. Oh, zut, une racine. Est-ce que tu... Oh! Ils nous ont roulés! Vite, il faut les rattraper! C'est une terrible erreur judiciaire! Et je vous promets que cette affaire ira loin! C'est ça, c'est ça! Mon magot! Mon magot! C'est à moi! Et que je n'entende pas la moindre réflexion, c'est bien compris. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins c'est la même chose.